Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Nous sommes aujourd'hui 13 avril, encore réunis ensemble pour un nouveau jour. J'espère que la présence de Dieu est déjà palpable dans ta maison, mon frère, ma sœur. Parce que si nous n'invitons pas le Saint-Esprit dans nos réunions que nous avons, que ce soit à l'église, que ce soit là chez nous avec cette émission Foi et guérison, je crois que tout cela ne servirait à rien. Parce que le Saint-Esprit est celui qui fait toute la différence, parce que c'est par lui que toutes choses sont opérées. Quand tout est en accord avec sa parole, il peut œuvrer. Et aujourd'hui, 13 avril, j'aimerais toujours continuer avec ce passage de Jacques, chapitre 5, verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. Le titre de la méditation d'aujourd'hui est Faites confiance à la parole en premier lieu. Je voudrais continuer le témoignage et certainement que les prochains jours encore aussi, nous aurons ce témoignage parce que j'aimerais qu'il descende dans votre âme parce que je sais que combien aujourd'hui sont dans cette condition. Comme je l'ai dit, si ma femme et moi faisons ces émissions, c'est parce que nous avons la foi que Dieu opère des guérisons. Dieu opère des miracles. Dieu opère des délivrances. Dieu opère des baptêmes du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. Nous sommes persuadés de ça. Mais rien de tout ça ne sera effectif, mon frère, ma soeur, si toi-même, dans ta propre vie, on ne le verra avec ce témoignage qui est assez puissant. Parce que nous allons voir la finalité de ce message. Et nous avons besoin de scinder ce message en plusieurs parties pour que tu t'en imprègnes, mon frère, ma sœur. Parce que je suis sûr et certain que tu es dans cette condition comme cette femme-là. Et regardez la suite du témoignage. Le même jour où je priais pour cette femme, on frappa à ma porte dans l'après-midi. En ouvrant la porte, voilà ce même jeune garçon aux cheveux blonds. Maman veut que vous veniez prier pour elle, m'expliqua-t-il. Je croyais qu'elle avait été guérie ce matin, me dis-je. En fait, elle l'a été, répondit-il. Mais elle a encore plus mal maintenant. Je retournais chez elle pour prier, pendant encore une heure et demie, jusqu'à ce que redescende la puissance du Saint-Esprit. J'essayais de me débrouiller en l'oignant d'huile et en lui imposant les mains, en faisant la prière de la foi, mais elle ne crut pas. Sa foi n'était pas dans la parole de Dieu, elle était dans sa puissance. Certes, la puissance de Dieu contribue à la guérison, mais il faut d'abord faire confiance à la parole de Dieu. Ce désir de prier jusqu'à ce que descende la puissance continua à n'en plus finir. Au moins une fois par semaine, pendant 4 ans, je me rendais chez cette maman afin de prier pour elle. Mais elle ne reçut jamais de résultat définitif. Mon frère, ma sœur, combien d'hommes et de femmes de Dieu ont prié pour ta situation? Combien de fois as-tu ressenti que la guérison était là parce que mon épouse, moi, ou un autre serviteur ou servante de Dieu a proclamé la guérison dans ta vie, mon frère, ma sœur, mais tu en es toujours au même stade. Tu attends beaucoup de ce que nous disons. Tu mets ta foi sur tous ces témoignages que mon épouse et moi disons. Mais mon frère, ma sœur, si tu ne mets pas ta foi en ce que la Bible dit, en ce que la parole de Dieu dit, mon frère, ma sœur, il ne se passera rien. Parce que bien souvent, on me dit, oui, pasteur, je crois que Dieu veut me guérir, mais les médecins m'ont dit que. Ou combien me disent, oui, pasteur, je crois en ce que vous dites, ton épouse et toi, pasteur, mais seulement, j'ai mal ici, j'ai mal là, et j'ai encore plus mal. Eh bien, mon frère, ma sœur, tant que tu réagis comme ça, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Rien ne va se passer pour toi. Non pas que Dieu ne veut pas, non pas que mon épouse ne veut pas, non pas que moi je ne veux pas, non pas que les autres serviteurs de Dieu ne veulent pas,
mais c'est toi qui fermes la porte à la guérison. Alors mon frère, ma sœur, demain nous allons voir encore la suite de ce témoignage qui ne sera pas terminé demain, je vais te le dire clairement. Il ne sera pas fini demain parce que tu dois comprendre, analyser ta propre situation, mon frère, ma sœur. La guérison est déjà là, mais toi, tu fermes cette porte à la guérison. Alors il faut que tu parles avec le Saint-Esprit. Il faut que tu aies un tête-à-tête avec le Saint-Esprit. Il faut que tu aies un tête-à-tête avec la parole de Dieu pour savoir ce qu'il veut pour ta vie. Il faut que tu reçoives une parole qui descende d'en haut, une parole de Dieu qui descende et qui te dise par exemple, par ces meurtrissures, tu as été guéri et que tu la saisisses, mon frère, ma sœur. Il faut que tu mettes ton cachet à toi avec ton nom, ton prénom, ton adresse, ton numéro de téléphone, sur ce verset-là, mon frère, ma sœur. Celui que Dieu va te donner pour te certifier que tu vas être guéri. Parce que si Dieu te dit que cette maladie va te mener à la mort, eh bien alors toi et moi, nous pouvons prier, mon frère, ma sœur. Nous pouvons te oindre d'huile, de bidons d'huile, de tous les oliviers qu'il y a sur cette terre. La guérison n'arrivera pas parce que Dieu en aura décidé autrement dans ta vie, mon frère, ma sœur. Mais si Dieu ne t'a pas dit que tu vas mourir, donc c'est qu'il veut que tu guérisses, mon frère, ma sœur. Et si la guérison n'arrive pas, c'est parce que tu ne t'appropries pas de la parole de Dieu pour ta vie, mon frère, ma sœur. Alors il te faut une bonne déclaration pour aujourd'hui, 13 avril, pour que tu sortes de cet engrenage de la maladie, mon frère, ma sœur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous venons devant toi encore aujourd'hui pour faire cette bonne déclaration tous ensemble. Et nous disons, lorsque j'ai fait confiance à la parole de Dieu en premier lieu, je vois la manifestation des résultats. Je suis guéri. Je suis guéri. Il y a cet autre verset qui nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Toutes les autres choses. Alors, mes bien-aimés, sur quoi devons-nous fixer nos regards? Est-ce que nous devons fixer nos regards sur la guérison uniquement? Ou est-ce que nous devons fixer nos regards sur Dieu lui-même, sur sa présence dans nos vies, sur sa majesté sur nos vies, sur son autorité sur nos vies? Nous devons, comme nous l'avons souvent dit, rechercher d'abord la face de Dieu, sa présence et non sa main. Il étendra sa main sur nous parce qu'il nous aime, mes bien-aimés. Mais nous devons l'aimer non pour ce qu'il nous donne, mais pour qui il est pour chacun d'entre nous. Il est un bon père qui prend soin de ses enfants en premier lieu. Et ensuite, il leur donne tout ce qui est utile pour leur bien-être. Dieu est un bon Père, un bon Père. Et nous savons qu'il a de bonnes choses à nous donner. Il a de bonnes choses en réserve pour chacun d'entre nous. Mais voilà sur quoi nous voulons absolument poser nos regards aujourd'hui. Nous voulons avoir la foi, la confiance en la parole de Dieu pour demeurer ferme. Parce que la parole nous dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et parce que vous avez une ferme assurance, non seulement vous avez confiance de ce que vous allez obtenir, mais de plus, cette ferme assurance fera que vous n'accepterez rien qui dise le contraire. Si Dieu a dit « Je suis guéri », eh bien je le serai. Je suis ferme, je demeure fermement ancré sur cette parole. Je suis guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Son Saint-Esprit est ici maintenant et m'atteste cette parole, qu'il va agir dans ma vie. Il est en train de balayer le chemin sous mes pas. Il est en train de créer un chemin là où il n'y avait rien. Le pasteur le disait, peut-être que les médecins vous ont déjà condamné par leurs résultats, par leurs analyses.
par leur savoir. Oui, cette maladie mène toujours à la mort. Peu y échappent. Mais la différence, mon frère, ma sœur, c'est que toi, tu crois en un Dieu tout-puissant. Ça, c'est la différence. Ça, c'est ce qui va faire la différence dans ta vie. Peu importe le nom de cette maladie, peu importe si tous tombent sous l'effet de cette maladie, peu importe si tous sont morts par les effets de cette maladie, quel que soit son nom, elle n'a rien de plus puissant que la présence de notre Seigneur et Dieu Tout-Puissant. Lui, il donne la vie. Pose tes regards sur ce Dieu. Pose ta confiance en lui et il ne te décevra jamais. Nous anéantissons toute déclaration que les médecins ont faite sur ta vie, déclarant que tu es voué à la mort. Et nous t'annonçons cette bonne nouvelle que Jésus-Christ a payé le prix pour que tu vives. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, reçois la vie au lieu de la mort. Reçois la vie, que ton esprit reste baigné dans la présence du Saint-Esprit, que ton esprit soit relevé, que ton esprit soit restauré et que ton corps en reçoive les effets. Qu'il se relève de la mort au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, reçois la vie, reçois la restauration de ton corps, reçois la santé au nom de Jésus-Christ. Crois et tu verras la gloire de Dieu, mon frère, ma sœur. Crois, car nous n'avons pas un Dieu qui ment. Nous avons un Dieu qui veut notre bien et qui veut démontrer sa toute-puissance au travers ses enfants. Soyez bénis, mes bien-aimés. Je vous souhaite une excellente journée encore dans la présence du Père. Que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment. Je vous donne rendez-vous demain.